Je m'appelle Inès et je suis étudiante en première année de psychomotricité. Et j'ai découvert Saint-Vincent de Paul en fait avec une amie qui a mis une publication sur Facebook. J'ai accepté une première mission pour faire des paniers repas au collège de Stan. Et maintenant je fais partie des chauffeurs, des pilotes des livraisons des épiceries solidaires. Donc on a chargé toute la collecte d'aujourd'hui depuis le collège de Franklin. Puis ensuite on est allé dans le 19e, on a d'abord déposé dans une première épicerie solidaire à la paroisse Saint-Jacques-Saint-Christophe. Et puis ensuite on est allé à Notre-Dame-du-Foyer pour donner cette fois-ci des produits d'hygiène et aussi des collectes alimentaires à Notre-Dame-du-Foyer. Ce que j'ai vu d'incroyable pendant le confinement, c'est vraiment la solidarité entre les gens, les initiatives dont j'ai commencé à faire partie. Et en fait, avec la bonne volonté de toutes les personnes qui étaient autour de nous, autant des donneurs, des bénévoles et la patience de tout le monde, on a fait vraiment des choses très très belles. Et à chaque fois, on était surpris de ce qu'on recevait, surpris de comment ça fonctionnait. Et à tous les jeunes qui ont envie de faire quelque chose, de se sentir un petit peu utile, vraiment aller voir les associations, aller voir Saint-Vincent de Paul, il y a toujours besoin d'aide et vraiment on reçoit tellement plus de ce qu'on donne, donc venez, venez, venez.